إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرحبا بكم في صالون زوم. j'apprends l'islam sur la vraie voie. نعم. ensuite quelque chose que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, c'est cette diapo, نعم, qui montre c'est quoi le minhaj de al-sunna ou al-jama'a. نعم. طيب. donc c'est kitab sunna et ensuite قال الله قال الرسول قال الصحابة comme on a dit la fois passée بإذن الله تعالى. نعم. On attend que la diapo se termine, inshallah ta'ala. Donc, c'est le troisième cours, inshallah ta'ala, du livre Mukhtasar Sirat al-Nabi, alayhi salatu salam. Le quatrième cours, inshallah. Quatrième cours. Naam. Afwan, il fallait me dire d'avance. Moi, j'ai écrit le troisième. Allez. Chaque fois, il faut m'envoyer d'avance. Alors, aujourd'hui, c'est tel cours et tel cours. Naam, inshallah. Inshallah ta'ala, naam. Donc, du Cheikh Abdelghani, المقدسي رحمه الله تعالى مختصر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين un rappel pour ceux qui sont des croyants sûrement que le rappel leur profite بإذن الله تعالى نعم veuillez ne pas utiliser la webcam dans le salon barakallahu fikum déjà avec les machaques qu'on a avec la webcam ce sera encore plus grave نعم allez bon débat. Donc c'est le mardi 15 Rabi al-Thani, 1442 d'Égypte, 1er décembre. Troisième cours, alors que c'est le quatrième, bi'idhnillah ta'ala. On commence, inshallah ta'ala. Samir, Kamal, tawakkalou Allah subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء الوحي. فلما بلغ 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته. Le début de la révélation. Quand il atteint 40 ans, Allah le spécifia par sa grâce et il l'envoya pour transmettre son message. Donc, quand il a atteint 40 ans, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal le spécifia par sa grâce, lui donna bien sûr cette grande faveur. C'est quoi? C'est de l'envoyer comme Rasoul. Il était un simple être humain comme nous. Maintenant, il lui a envoyé, il lui a transmis son message. Donc, on a deux choses ici, 40 ans et son message. On commence par ce qu'il y a yani, d'annotation par rapport à 40 ans. Et, le Hafid ibn Hajar a catégoriquement affirmé dans Fethul Bari, tome 7, page 164, que l'âge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on fit descendre la révélation sur lui la première fois, était de 40 ans et 6 mois. Cela en considérant ce qui a été authentiquement rapporté dans As-Sahih, à savoir qu'il a été envoyé, alayhi salatu wa sallam, à l'aube de ses 40 ans. Et qu'on a fait descendre sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, la révélation durant Ramadan. Puis considérant qu'il est connu que sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, fut lors du mois de Rabi' al-Awwal, cela rejoint ce qu'a dit l'auteur, puisqu'il n'a pas évoqué la différence de 6 mois, conformément à l'habitude des Arabes. C'est-à-dire ici que le Hafez ibn Hajar a cité que lorsque la prophétie est descendue sur lui et que l'Azawj l'a choisi pour être son messager, il avait yani, 40 ans et 6 mois. 40 ans et 6 mois. Attendez, voilà. 40 ans et 6 mois. Mais il dit yani, que c'est très connu, que yani, la plupart disent que yani, c'est à 40 ans. Ici, il a voulu montrer, ou là, on veut montrer que yani, il n'y a pas de contradiction entre 40 ans et 6 mois et 40 ans. Pourquoi? Parce que si, ici, le Hafid ibn Hajar
dans un autre livre là, ou là d'autres savants citent 40 ans, ça veut dire que yani, ils ne citent pas ce qu'il y a après, yani, ils citent pas ce qu'il y a après la virgule, la décimale. Ils disent direct yani, 40 ans. Mais en vérité, ils veulent dire 40 ans et 6 mois. 40 ans et 6 mois, bi'idhna ta'ala. Ça, c'est par rapport à quand il a atteint 40 ans. Ensuite, par rapport à Allah Azza wa Jalla lui a transmis le message. On va voir ce qu'il y a par rapport au message. Il a été authentiquement rapporté en Sahih al-Bukhari, hadith 4922, 4924 et d'autres. La première révélation descendue sur le prophète alayhi salatu wasalam fut li. Na, fut, yani le verset li. C'est-à-dire, ikra. Parce que Allah Azza wa Jalla, sur l'alaq, il lui a dit, Jibril est venu, lui a dit, ikra bismi rabbika. الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ donc lis. Ici je voudrais attirer ou la faire une petite remarque ou la donner une petite faïda. اقرأ certains vont dire lui a dit lis. Donc Jibril alayhi salam est venu avec un livre, il lui a présenté un livre et lui a dit lis. Justement c'est pas comme ça. Si on va savoir que lis ça peut être comment dire en arabe qira'at kitab min kitab ou qira'at min fu'ad, c'est-à-dire on peut lire s'il y a quelque chose devant nous, une lettre ou un livre, on peut lire de notre poitrine, de ce qu'on a appris. Naam. Et ici c'est le deuxième qu'a voulu dire Allah Ta'ala ici, iqra, il n'y avait pas de livre. Naam. Iqra, c'est-à-dire récite ta poitrine. C'est pour ça que quand quelqu'un par exemple, c'est un par exemple enseignant de Coran, là il fait venir un élève, lui dit iqra, il récite pour que j'entende et je corrige. Ça ne veut pas dire qu'il a un livre avec lui, l'autre le récitateur. Naam. Il lui a dit, il est devenu prophète par cette révélation. Il est devenu nabi par Iqra. Il est devenu messager, car vous savez, il y a une différence entre messager et nabi. Messager et prophète. Messager et prophète, il y a une différence entre les deux. Beaucoup disent que prophète, c'est quelqu'un qui a transmis la révélation. Il ne lui a pas ordonné de le transmettre. Or, cela est faux, yani, totalement faux. Pourquoi? C'est impossible que Allah Ta'ala yani, transmette la révélation à quelqu'un, ensuite il lui dit, enferme-toi dans ta maison, ne sors pas, ne transmets pas. Yani, logiquement, ce n'est pas accepté. Ils ont dit que le messager, celui à qui Allah Ta'ala a donné le message, il lui a dit transmettre. Or, la vérité, c'est que, enfin, d'après l'avis, l'un des avis les plus forts, parce qu'il y a beaucoup d'avis, que le prophète, c'est quelqu'un qui vient toujours pour confirmer le message du messager qui l'a précédé. Mais il ne vient pas lui-même avec un nouveau message. Le prophète ne vient pas avec un nouveau message, mais il doit quand même transmettre. Qu'est-ce qu'il transmet? Il transmet la révélation du messager qui l'a suivi. Alors que le messager, quand il vient lui-même avec un nouveau message, et il ne transmet pas ce qu'il a précédé. Et certains ont dit, et aussi ça c'est juste d'un autre côté, vu sous un autre angle, c'est juste, ils ont dit que le prophète, c'est-à-dire le Nabi, من أتى إلى قوم مؤلفين ورسول من أتى إلى قوم مخالفين. Le Nabi, le prophète, quand il vient toujours dans un peuple, une communauté, avec laquelle, comme on dit, ils ne sont pas belligérants, il n'y a pas de guerre avec eux, ils s'entendent, il n'y a pas de problème. Mais le messager, il vient toujours à yani, une communauté qui lui déclare la guerre et qui yani, va même l'exiler, l'isoler. Vous connaissez le problème. Alors, il est devenu Nabi avec lui, Iqra bismi rabbika. Il est devenu messager quand Allah Ta'ala fait descendre sur lui, ô toi le revêtu d'une cape, lève-toi et averti, jusqu'à et sois endurant pour ton Seigneur. Naam. Sort le Mudassir. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal Mudassir, ô toi le revêtu d'une cape. Qum fa'andir, lève-toi et yani, commence à transmettre. Wa rabbaka fakbir wa thiyabaka fatahhir ila akhir al-aya. Naam. Le premier ordre que l'élu alayhi salatu wasalam reçut fut d'avertir contre l'association, le shirk. Malgré que les associateurs pratiquaient beaucoup la fornication, la consommation du vin, l'injustice, la transgression, riba, tous les maux du monde. Mais en dépit de cela, il a commencé l'appel au tawhid et à la mise en garde contre le shirk. Il a accompli sur cela 13 années à Mecca. Même la prière, malgré sa grandeur, sa magnificence, sa grande valeur,
elle n'a été rendue obligatoire suite à son envoi qu'après 10 années. 10 années après qu'il soit venu, alayhi salatu wassalam, pour que la prière, yani, soit venue, bi'idnillahi ta'ala. Cela démontre quoi? Cela démontre l'importance du tawhid et l'obligation de lui prêter attention. Il s'agit de la première et la plus importante chose à laquelle tous les prophètes et messagers ont porté attention. Comme Allah a informé à leur sujet dans son immense livre, et comme il leur a ordonné, nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans lui révéler qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Donc, yani tawhid. Tawhid et yani blâme le shirk. Naam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Surat al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. On n'a envoyé aucun messager avant toi sans qu'on lui dise yani de transmettre que يعني لا إله إلا الله لا إله إلا أنا فاعبدون أدري موا نعم طيب نعم donc il y a dans cette nazar هنا أدري موا الأنبياء il a informé سبحانه que le premier appel des prophètes est ô mon peuple adorez الله سبحانه وتعالى لقد رسل نوح إلى قومه فقال يا قوم ô mon peuple اعبدوا الله adorez الله سبحانه وتعالى نعم. Il y a dans cela une remarque à l'intention de toute personne qui appelle Allah Azzawajal, à savoir qu'elle doit commencer par cette immense affaire et accorder la plus grande importation. Et accorder la plus grande importation. C'est un chouf, qu'est-ce qu'il y a après? Donc on revient à cette remarque. Donc il y a dans cela une remarque à l'intention de toute personne qui appelle Allah Azzawajal, à savoir qu'elle doit commencer par cette immense affaire et accorder la plus grande importance. Commencer par cette immense affaire, c'est-à-dire commencer par le tawhid. Il n'y a pas un messager non, que Allah Azza wa Jalla a envoyé qui a commencé par autre chose que le tawhid, qui a commencé par interdire la fornication, ou bien l'alcool, ou bien la riba. Jamais. Toujours le tawhid d'abord. D'ailleurs, même logiquement, quelqu'un qui n'a pas de tawhid, il n'a rien dans le cœur. Dans son cœur, il y a la toile. Quelqu'un qui a une toile d'araignée dans son cœur. Il n'a ni tawhid ni rien. Quoi ça sert de lui dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais quand son cœur sera plein de tawhid et de lumière, ensuite c'est lui-même qui décidera d'arrêter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pour cela que tout prédicateur, je vous donne un repère. Un repère très facile, très simple et qui comporte, inchallah ta'ala, beaucoup de fawaïd. C'est quoi? Tu veux savoir si un prédicateur est sur yani, la droiture ou pas, regarde c'est quoi sa da'wa. Est-ce qu'il se base sur le tawhid ou il ne se base pas? Encore mieux, regarde s'il commence sa da'wa par le tawhid, ou là il commence par autre chose, il commence par les fables, les qasas et les histoires et je ne sais pas. Regarde par quoi il commence sa da'wa. S'il ne commence pas par le tawhid, alors il n'est pas sur la droiture. Et encore moins, c'est la vie. Non. C'est pour ça que, attendez, comment il s'appelle, l'Arifi, vous connaissez tous l'Arifi, très connu. On lui a demandé, Tawhid, on veut Tawhid, on veut Tawhid. Il a dit, Tawhid, c'est quoi? Ça demande, dans toute la vie, ça demande une demi-heure. Il a dit, une demi-heure? Hein? Allah Musta'an, Allah. Allah Musta'an, il a dit, une demi-heure, ça suffit le Tawhid. Alors que les messagers, yani, ont souffert toute leur vie, du début à la fin, pour yani, inculquer aux gens le Tawhid. Celui-là, il dit, non, une demi-heure, ça suffit. Une demi-heure, ça suffit à ce que tu connaisses, yani, ma ma'na d'ailallah, ma ma'na Muhammad Rasulullah a parlé, yani, des piliers d'islam, piliers de l'iman, un par un, du paradis, de l'enfer, du bassin, du sérat, c'est pas possible comme ça, des gars en une demi-heure. Subhanallah al-Azim. Donc, voilà ce que, yani, le point important qu'on doit prendre ici, que toujours dans notre da'wah, on doit commencer par le tawhid. Le tawhid. Et donner d'extrême importance au tawhid, bien sûr, sans ignorer yani, sharia, qui est le fiqh et les autres choses, non. Mais donner beaucoup d'importance au tawhid. Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît bien la sharia, connaît que ça c'est haram, ça c'est halal, et connaît le Coran par cœur, il apprend le Coran par cœur avec tajwid et ahkam, et mashallah, il a l'ijaza. Il fait du shirk, il connaît pas le tawhid. Et s'il meurt, qui va le sauver? Allah Ta'ala a dit que إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله تعالى ما pardonne pas quelqu'un qui allait mourir, yani dans le sens
ça implique, qu'il allait mourir et qu'il n'est pas mort sur le tawhid, il est mort mouchrik. Alors c'est très grave, yani, de ne pas donner d'importance au tawhid. On continue, inchallah. Atahu Jibril alayhi salam wa huwa bi ghari Hira, jabal bi Makkah, fa aqama bi Makkah 13 sana, wa qil 15, wa qil 10, wa sahih al-awwal. Jibril alayhi salam lui vint alors qu'il était dans la grotte de Hira, une montagne à la Mecque, et il y resta à la Mecque 13 années. D'autres ont dit 15 années, et d'autres ont dit 10. Et l'avis authentique est le premier, c'est-à-dire 13 années. On revient toujours au même problème. Donc le plus connu, c'est que le prophète est resté 13 années à la Mecque. Et certains ont dit 10. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de 40 ans et 6 mois ou là 40 ans. Ceux qui ont dit 13 années, c'est parce qu'ils ont voulu donner la date exactement. Ceux qui ont dit il est resté 13 années, parce qu'ils disent, l'ad, l'habitude chez les Arabes, à partir de 10, on enlève le khlas, on dit seulement 13 au khlas. On dit seulement 10 au khlas, ça suffit, c'est pas la peine d'ajouter le 3. Sinon, c'est, bi'idlai ta'ala, la vue plus sûre, c'est 13 bi'idlai ta'ala. Certains musulmans se chargent de grimper cette montagne, Hira, où était le prophète Hassan quand il est venu du Jibril le visiter. Certains musulmans se chargent de grimper cette montagne, de la visiter lors de la saison du pèlerinage et de la Umra ou autre. Ils font cela par suivi aveugle, en cherchant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains peinent pour s'y rendre et pensent que c'est un lieu propice à l'invocation et l'évocation. Ils viennent avec des invocations et des formules de dhikr. Cet acte est une innovation rejetée à son auteur. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui invente dans notre affaire si une chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée, apportée par Bukhari Muslim. Donc la grotte de Hira, beaucoup, quand ils font l'Amra ou le Hajj, veulent la visiter, et pas seulement la visiter, s'ils visitent par curiosité pour voir peut-être, mais ils veulent visiter, monter, aller grimper la montagne et rentrer à l'intérieur et essayer peut-être même de s'asseoir où s'est assis le prophète, et comme ça et comme ça. Donc tout cela, c'est une bid'a. Et Meskin, celui qui monte dans la montagne, il se fatigue pour rien, non, pour les doigts, etc. On peut faire les doigts en étant en bas, par exemple. Certains disent non, pour que je monte et je grimpe là, jusqu'à rentrer dans la grotte et faire des doigts là-bas. Ils inventent des drôles, ils inventent des invocations, des évocations que Allah Ta'ala n'a pas fait descendre et que le prophète Sallam n'a pas dites. C'est pour ça que c'est une bid'a, même s'ils font cela avec une bonne intention. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah wa ta'ala dit, certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'Allah azza wa jal l'ait honoré par la prophétie, ne faisait plus ce qu'il faisait auparavant comme adoration dans la grotte de Hira et d'autres. Naam. Il est resté à la Mecque après la prophétie près de 10 ans, et il est revenu après l'immigration lors de la Umrah Al-Qadiyya et à la bataille de la conquête Badr et à la Umrah de Jialana. Cependant, il ne s'est pas rendu à la grotte de Hira. De même que ses compagnons après lui, aucun d'eux n'est allé à la grotte de Hira. Après que Jibril soit venu au prophète, jamais il n'est plus revenu à la grotte. Il est resté combien 10 années à la Mecque, il n'est plus revenu à la grotte. Et même les Sahaba aussi. Non. De même que ses compagnons, aucun d'eux n'est allé à la grotte de Hira. Donc, c'est quoi, elle dit, pour y aller là-bas? Et certains croient, bien sûr, qu'en allant là-bas, il va y avoir beaucoup de hajj, ou que les doigts sont exaucés là-bas, ou certains pires, alors, vont ramener de la terre de là-bas, et des cailloux. Ils vont dire ça, on va aller avec nous dans notre pays. Sûrement que ça donne baraka, ça donne la bénédiction. Et peut-être même certains ou certaines, je ne vais pas exagérer, Inch'Allah, ce n'est pas une exagération. Certaines, même s'ils sont rares, peut-être que même vont ramener ces cailloux, cette terre-là, pour faire le sour. On dira, ça marche. Cette chose, je l'ai ramené de là-bas. Ça donne des résultats forts, bi'idnillah. Et tout ça, c'est des bid'ah, c'est des khurafat. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. وكان يصلي إلى بيت المقدس مدة إقامته بمكة ولا يستدبر الكعبة
ويجعلها بين يديه. Il priait en direction de Beit al-Maqdis, entre parenthèses Jérusalem, durant la période où il résidait à la Mecque, sans qu'il ne tourne le dos à la Kaaba. Il se plaçait face à elle. Il n'avait pas encore reçu l'ordre de se diriger vers la Kaaba, mais il se suffisait à Beit al-Maqdis. Et ça, quand il était à la Mecque. Parce que même à la Mecque, le prophète s'en priait. On a dit qu'il priait deux le matin, deux le soir. Deux rak'at, deux unités le matin, deux le soir. Et d'autres ont dit d'autres choses. Al-Muhim, il prie avant déjà que la prière ne soit obligatoire. Pas rester comme ça sans prier. Mais c'est pour Beit al-Maqdis. Qibla al-Oula. Ensuite, il s'est tourné vers la Kaaba. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَدْ نَارَ تَقْلُبَ وَجِهِكَ فِي السَّمَا فَلَنُوَلِيِنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَوُلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ » C'est là que le prophète a commencé à se diriger vers la Kaaba بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. فَصَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَيْضًا بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِينَةِ 17 شَهْرًا أو 16 شَهْرًا. Il pria également en direction de Beit al-Maqdis après être arrivé à Médine durant 17 mois ou 16 mois. Subhanallah. Donc même arrivé à Médine, la prière encore n'est pas oubliée, de l'ordre de la prière n'est pas encore descendu. C'est-à-dire même à Médine, il a prié encore 17 mois, se dirigeant vers Beit al-Maqdis, ou bien 16 mois, jusqu'à ce que l'ordre lui fût intimé de changer de qibla, pour montrer, parce que Beit al-Maqdis, les Yahoud disent que c'est notre Beit, le prophète fait comme nous, il nous suit, il nous imite. Et le prophète Hassan, à chaque fois, il levait son visage vers le ciel, sa tête vers le ciel. C'est comme s'il disait dans son cœur, « Ya Allah Ta'ala, fais descendre quelque chose pour que je ne sois pas avec les Yahoud sur la même chose. » Pour qu'il y ait une dissociation entre moi et eux. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le verset, lui a dit, « Qad nara taqadluba wajhika fi as-samaa. » On voit, comment tu montes, tu descends comme ça, ta tête vers le ciel. On va, inshallah ta'ala, te diriger vers une qibla qui te ravira, inshallah ta'ala. Ensuite, j'ai dit, wulli fa wulli wujhaka shatr al-masjid al-haram. Alors, dirige-toi vers la Kaaba bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, juste ici, une petite faïda. Dommage, je n'ai pas ramené ce verset parce que je viens de citer maintenant, parce qu'il n'était pas dans ma tête quand je préparais le cours. Mouhim, astaghfirullah wa atubu ilayh. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Donc, il levait sa tête vers le ciel. Et regardez. Donc, le prophète alayhi wa sallam, alhamdoulilah, avait une, comment on dit, aqida muhammadiya, pas aqida firaouniya, pas la aqida de Firaoun. Pourquoi? Parce que Firaoun, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans le ciel, n'est pas au-dessus du ciel, n'est pas au-dessus des sept cieux, au-dessus de son trône. C'est pour ça qu'il a dit à Moussa, il a dit à son, il leur a dit, fabriquez-moi avec une tour, construisez-moi une tour, je vais monter voir le Dieu que Moussa prétend qu'il est en haut, je vais monter vers lui. Donc ça veut dire qu'il ne croit pas en cela. Mais regardez notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait son visage vers le ciel et attendait quelque chose descendre d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il sait que Allah est au-dessus des cieux. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se tournait pas vers à droite et à gauche, il demandait, non, vers le ciel, ni en bas. C'est pour ça que les salafs disent, celui qui dit que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, il a une aqida muhammadiya, de Muhammad. Celui qui dit qu'il est partout, ou la nie qu'il n'est pas dans le ciel aussi, on dit qu'il a une aqida firaouniya, pharaonique, ou l'ayyadu billah, qu'Allah nous préserve. Non. Tfadlak. Thumma hajra ila al-madinati wa ma'ahu abu. Le titre, quand même. هجرته إلى المدينة ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو كافر ولم يعرف له إسلام وأقام صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين. Son émigration. Puis il émigra vers Médine en compagnie de Abu Bakr رضي الله عنه et de l'affranchi d'Abu Bakr Amir ibn Fuhayra. Leur guide était Abdullah ibn al-Urayqit al-Layti. Il était mécréant et n'est pas connu qu'il soit devenu musulman. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est resté 10 ans à Médine.
Puis il émigra, sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine en compagnie de Abu Bakr, radiallahu ta'ala, et de l'affranchi d'Abu Bakr, Amir ibn Fuhayra. Regardez, le prophète islam a choisi qui pour la hijra? Abu Bakr, radiallahu ta'ala. C'est dire le grand statut et le rang élevé de Abu Bakr, radiallahu ta'ala. Leur guide était Abdullah ibn al-Urayqit al-Layti. Il était mécréant et il n'est pas connu qu'il est devenu musulman. Le prophète sallam est resté 10 ans médine. Leur guide, subhanallah al-Azim, le prophète alayhi sallam, c'est une preuve irréfutable. Il ne connaissait pas le ghaib. Il veut aller de Mecca à Médine, il ne connaît pas le chemin. Ni Abu Bakr, ni la franchie. Comment qu'ils vont faire? Ils vont sûrement errer dans le désert et se perdre. Rattrapé par les kuffars. Il a choisi qui? Al-Urayqit al-Layti, un mécréant. Subhanallah al-Azim. Donc un mécréant, il se peut que du khayr vienne de lui. Du khayr vient d'un mécréant. Naam. Subhanallah, même un mécréant. Un mécréant, il est possible que tu meurs de faim et qu'il te voit, il te donne à manger, qu'un musulman passe devant toi, il ne te donne pas. Il est possible qu'un mécréant fasse du bien. Reste que le bien qu'il fera, il n'aura pas de récompense dans l'au-delà. Il en sera récompensé ici. Allah Ta'ala va lui ouvrir les portes de ta'am, na'am, la nourriture et peut-être les enfants et comme ça. Na'am. Et il a dit, il n'est pas connu qu'il est devenu musulman. Il sait que celui-là, c'est un messager, na'am, il va l'aider, Allah l'adhim, mais il voit tout ça devant lui, yani les signes clairs, et il n'est pas devenu musulman. C'est pas le prophète qui peut guider quelqu'un, ou moi, ou toi. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il descend la guider sur la personne. Non. بمناسبة حادثة الهجرة وصحبة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تفضل سمير. Normalement, hadith, c'est Abu Bakr. Dans l'affaire de l'émigration et de la compagnie d'Abu Bakr, radiallahu anhu, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala dit, selon une traduction rapprochée du sens, si vous ne portez pas secours au prophète, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont chassé, deuxième de deux, entre parenthèses, le prophète était accompagné d'Abu Bakr. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre sur lui sa quiétude, as-sakina, et le renforça de soldats, entre parenthèses, des anges, que vous ne vîtes pas. Il rabaissa la parole des mécréants et fit de la parole d'Allah la parole la plus haute. Et Allah est puissant et sage. At-tawba, merci. Naam, dans cette affaire, la hijra avec Abi Bakr, radiallahu ta'ala, Allah ta'ala dit, si vous, les kuffars, vous ne vouliez pas porter secours au prophète, Allah déjà l'a secouru. Ça lui suffit que Allah ta'ala le secours. Naam, lorsque ceux qui l'ont mécru l'ont chassé, on dit, il faut qu'ils sortent de la Mecque. On ne les laisse pas avec nous, ceux-là. Ils doivent sortir. Naam, deuxième de deux, ils étaient deux, Abu Bakr, le prophète et Abu Bakr dans la grotte. Lorsqu'ils étaient dans la grotte et qu'il y a son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Abu Bakr, naam, quand il a vu, parce que les kuffars sont sortis à sa recherche, naam, ils ont dit, yani, mis comme ce qu'on appelle wanted, yani, celui qui nous ramène, yani, Mohammed, on lui donne tant, combien, yachaf, 1000 chameaux, ceci, cela, un mohim. Alors, ils sont sortis à sa recherche. Ensuite, ils ont vu la grotte. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'il est dans la grotte? Ils sont montés, ils ont grimpé la montagne. Quand ils sont arrivés devant la grotte, naam, ils n'ont pas pu voir qu'il était à l'intérieur. Et Abu Bakr a eu une sorte de peur. Il a dit, Ya Rasulallah, s'ils regardent juste un peu en bas, ils vont nous voir.
Ils sont en train de regarder comme ça en face, parce qu'ils étaient plus hauts qu'eux. Abou Bakr et Nabi al-Salam en bas et les autres en haut. La grotte, c'est comme un trou comme ça, on descend. Il a dit, mais, subhanallah al-Azim, ils sont en train de voir en face d'eux, à droite, à gauche, derrière eux, mais ils n'ont pas eu l'idée de regarder vers leurs pieds. Il a dit, s'ils vont regarder vers leurs pieds, ils vont nous voir. Alors le prophète Hassan lui a répondu, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala est avec tout le monde, vous savez, est avec tout le monde. Même en étant au-dessus de son trône, il n'est pas avec nous, avec son entité. Comme moi, je suis avec, mon épouse dans la chambre. Non, yani, il est avec nous de par sa science. Allah ta'ala est avec, pas avec nous, c'est-à-dire avec tout le monde, de par sa science. Il sait ce qu'ils font, il sait ce qu'ils disent, c'est comme ça. Mais ici, c'est le fait d'être avec le prophète Salam et Abi Bakr avec une assistance spéciale et une aide. C'est pour ça qu'ils disent que le maïa se divise en deux. Le fait d'être avec d'autres se divise en deux. D'être avec d'autres, avec yani, la vue et lui, et d'être avec d'autres, yani, ce sont les élus et les pieux. Allah Ta'ala est avec eux en leur donnant une assistance et un secours. Ça, il lui a dit, est avec nous, ça veut dire avec assistance et secours. Ce n'est pas, il nous voit, ça ne suffit pas. Non. Allah alors fit descendre sur lui sa quiétude, sa kina. Il le renforça de soldats, d'anges, que vous ne vîtes pas. Non. Les kofars sont debout devant eux, sont debout, en train de parler, en train de ceci, cela. Ils ne voient pas que tout autour d'eux, c'est plein d'anges. Plein d'anges. Personne ne peut les voir. Spécialement envoyés pour protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un seul suffit. Un seul ange suffit à renverser toute la terre. La terre. Toute la terre, il la renverse. Mais Malik, il l'envoie, il y a des anges. Alors, il rabaissa la parole des mécréants et ils retournèrent bredouilles. Ils retournèrent bredouilles. Et fit de la parole d'Allah la plus haute. Le prophète est sorti de la grotte avec Abou Bakr, a terminé son voyage, a terminé sa mission et a instruit aux gens et il aura propagé le tawhid et tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est pour ça que beaucoup de tous ceux qui racontent les fables, etc., même ceux qui ne racontent pas les fables, il y a même des savants qui ont dit ça, qui ont dit que lorsqu'ils sont arrivés à la grotte, ils n'ont pas pu voir le prophète alayhi salatu wassalam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'une araignée tisse. Une araignée tisse sa toile devant l'entrée. Alors ils ont dit comment, puisqu'il y a la toile, c'est pas possible qu'ils soient à l'intérieur, sinon ils auraient déchiré la toile. Et d'autres ont dit la toile de l'araignée et même un pigeon avec des œufs, un nid des œufs. Ils ont dit c'est pas possible, le pigeon ne peut pas rester comme ça dans son nid, sur son nid, alors que des gens sont à sa proximité. Or cela, tout cela est faux, et des hadiths daif, rien d'authentique en cela. Et ce qui prouve la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que sans pigeon et sans araignée, ils n'ont pas pu le voir. Comprenez? Sans pigeon et sans araignée, comme ça le trou vide, et ils ne peuvent pas le voir. C'est l'Azul qui commande quoi? Il nous commande tous. Il commande ta vue. Naam. Tu veux voir à droite, il te fait voir à gauche. Tu veux voir en haut, il te fait voir en bas. Tu veux voir en face, il te fait voir derrière toi, il t'inspire pour que tu te retournes et comme ça. Il ne veut pas que tu ne vois pas, tu ne vois pas. C'est pour ça que lorsqu'il est sorti, sallallahu alayhi wa sallam, le jour où ils sont venus aussi chez lui, ils ont voulu tuer, etc. Non. Qu'il est sorti, personne n'a pu le voir, il est passé devant toi, subhanallah al-Azim. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous commande. Non. Continue. Pardon. Voir le contexte du hadith de l'émigration dans Sahih al-Bukhari, numéro 3905. Il y est mentionné Amir ibn Fuhayra, radiallahu anhu, et le fait qu'il a mené le troupeau d'ovins au cours de la nuit du prophète, alayhi salatu wassalam, et le véridique, son compagnon, radiallahu anhu, alors qu'il se trouvait dans la grotte, afin qu'il puisse les traire et boire de leur lait. Il revenait avant le fajr, yani avant l'aube, avant que personne ne le sache. Il y a également la mention de Abdullah ibn al-Uraiqit qui fut leur guide. Quand ils partirent vers la grotte, le prophète
le meilleur des mutawakkilin, le meilleur qui connaissent le tawhid, a le tawakkul et qui pratique le tawakkul. Et quand même n'est pas parti les poches vides. Mais il a pris les provisions et le viatique. Comment cela ? Il s'est mis en accord avec Amir ibn Fuhayra. Il le ramenait, il passait avec son troupeau d'ovin, comme quoi il passait par là-bas. Et c'était juste pour que il puisse le traire. Il puisse traire et boire du lait des ovins. Et ensuite, il revenait le matin pour que les kofars ne sachent pas, ils ne découvrent pas ce qu'il venait de faire, sinon ce serait grave pour lui. Naam. Il y a aussi la mention de... Donc le prophète Islam n'a pas dit, moi c'est Allah Ta'ala qui m'a envoyé, donc moi je vais là-bas sans provision ni rien. Ensuite je lève les mains, je dis à Allah, faites descendre la nourriture. Ensuite la nourriture commence à tomber du ciel et à remplir la grotte avec les fruits et les jus de fruits et tout ça. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, on doit faire un plan comment pour manger quand on sera dans la grotte. Alors que c'est le meilleur des gens du Tawakkul. Deux points bénéfices. Le premier, l'émigration de l'élu sallallahu alayhi wa sallam, vers Médine intervint après avoir passé 13 ans à la Mecque suite à l'envoi. Le moment de l'émigration fut durant le mois de Rabi'ul Awwal. Les musulmans ont fait du début de l'année le mois d'Al-Muharram, car le début de la résolution à émigrer fut au cours d'Al-Muharram. Après que les Ansar aient porté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam durant Dhul-Hijjah, jurant de le secourir. La désignation du mois d'Al-Muharram comme commencement de l'année fut l'objet d'une consultation des deux califes de droiture, Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan radiallahu anhuma. Donc les musulmans décident à quoi ? De faire du Shahr al-Muharram le début, qui est le début de la résolution à émigrer, ils firent de lui le début de l'année. Ils firent de lui le début de l'année. Chez les kofars, le début de l'année, c'est janvier. Chez nous, ce n'est pas janvier, c'est le Muharram. Ce qui montre que vraiment, on n'est pas vraiment imprégné par l'islam et des lois de l'islam, c'est que beaucoup de nous, ne connaissent pas les mois en arabe. Les mois en arabe. Ils connaissent le mois janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, décembre, janvier, février. Très vite. Mais, citer les mois en arabe, c'est difficile. Moi, personnellement, je les connais en désordre. Et bien sûr, il y en a d'autres qui ne les connaissent pas du tout. Mais quand il y a, Inch'Allah Ta'ala, Doula Islamiya et qu'il y a l'islam qui est répandu, là, ça deviendra avec les mois arabes. C'est pour ça que, par exemple, quand une femme est divorcée ou là, elle veut compter la Idda. Non, pas divorcée, son mari est mort. 4 mois et 10 jours. 4 mois, c'est pas janvier, février, mars, avril. Elle doit compter avec les mois arabes. Non. La même chose pour la zakat. Faut pas dire, par exemple, chaque 3 janvier, je la sors. Chaque année, le 3 janvier, je la sors. Non, il faudrait que ça soit le mois arabe. Chaque année, le 3 Muharram, le 2 Ramadan, le 1 Rajab, le 6 Dhul Qa'dah, et comme ça. Il choisit une date en arabe. Vous savez bien qu'il y a une différence entre les mois arabes, les musulmans, et les mois grégoriens. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, sorti le kaf, ou l'habitou fi kafim talata mi atin sinina ouzdadou tisa. 300 années, ils sont restés dans le kef, ils adoutent ça, et ajoutent 9 années, ici, chez les kofars. Sinon, chez le calcul islamique, combien j'ai dit, ça veut dire 300 ans. Sinon, avec l'autre calcul, on doit ajouter 9 ans. Donc, il y a une différence entre les deux. Et le moyen, ce qu'ils ont fait ici, c'était après la consultation de Omar ibn Khattab et Uthman ibn Affan. Ils ont dit non. Pourquoi ne pas choisir cette date, que ce soit le début de l'année? On ne fait pas comme les kuffars qui ont leurs mois et leurs années. On n'est pas comme eux, nous, on est tout autre chose. On a une sharia, on a le tawhid, on n'est pas comme eux. Alors, on essaye de se dissocier d'eux en tout ce qu'on peut, bidlillah ta'ala. C'est pour ça que dans notre sharia, le musulman essaye de se dissocier du kafir au maximum.
de ne lui ressembler en rien, ni en apparence, et encore moins en ce qui est caché, ce qu'il y a dans le cœur et les idées, les sentiments, etc. Même dans les apparences, ne pas parler comme lui, sa façon de parler, ne pas marcher comme lui, ne pas faire les anniversaires comme lui, ne pas. Ce qui me fait mal des fois, et plusieurs fois, c'est que quand j'entends une vieille, j'entends pas beaucoup les vieux dire cela, mais une vieille. Quand une vieille, je dis 40 et plus, 50, 60, quand elle se rencontre, elle se quitte, elle lui dit bye, bye, au lieu de dire salam alaikum, bye. Moi, j'ai dit une vieille. Maintenant, tous les enfants, qu'Allah nous préserve, il n'y a pas d'éducation en classe. Jamais je n'entends un enfant là dire, surtout les filles, dire yani salam alaikum, la petite fille de 5 ans, tu dis bye, bye, bye. D'où tu as ramené ça? D'où tu as ramené bye? Il n'y a pas bye. Quand tu dis salam alaikum, tu as dit hasanat. Tu n'as pas besoin de hasanat, toi. Tu dis bye. Et bye, certains ont dit yani, que ça vient de chez Kuffar, ça veut dire je suis ravi de. Yani, moi, je suis en italien, ou là, je suis ravi du pape, ou là, quelque chose comme ça. Ou là. Je ne sais pas ce que j'ai lu une fois. Même si ça ne veut pas dire cela. Yani, notre roc, yani, ce qui rapporte le hajj, ce qui est musulman, ce qu'a fait le prophète, ce que Allah Ta'ala aime, pour remplacer ça par quelque chose que disent les gens de la masse, que disent les pervers, que disent les voyous, que disent. Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas salam alaykoum? Sauf si tu as honte, tu es complexé, ça c'est autre chose. Mais quand j'entends moi une vieille, elle dit bye, ça vraiment. Je dis la vérité, je n'ai jamais entendu un vieux dire bye. De ma vie, je ne l'ai pas entendu. Mais les vieilles, elles disent. Nah, Allah yahdi wa yahdina jami'an, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Fadal. Les occasions qu'il était possible de prendre comme date de départ dans le calendrier étaient limitées à... Le titre, cher. Naam, cher. Deux points bénéfiques. Ah, d'accord. Parce que je vois pas. Les occasions qu'il était possible de prendre comme date de départ dans le calendrier étaient limitées à quatre. Sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, son envoi, son émigration et sa mort. Ils ont jugé prépondérant de prendre pour début du calendrier l'émigration. Car la naissance et l'envoi ne sont pas exempts de désaccord au sujet de leur année exacte. Quant à la date de mort, ils s'en sont détournés en raison de la tristesse que peut engendrer son évocation. L'occasion, c'est donc réduite à l'émigration. C'est Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani qui a fait cette remarque, alayhi rahmatullah, voir dans Fethul Bari, tome 7, page 267 à 269. Non, il parle ici de par rapport à la naissance du prophète Islam, l'âme et l'envoi. Et surtout sa naissance, l'âme, c'est plein de désaccords au sujet de l'année exacte, quand est-ce qu'il est né, sallallahu alayhi wa sallam, mais encore le jour. Même si le jour, yani, la vie le plus fort, c'est lundi, et on a cité le hadith authentique. Quant à la date de la mort, les musulmans se sont détournés en raison de la tristesse que cela peut engendrer lors de son évocation. Ils n'ont pas essayé à comprendre. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ce que Allah Ta'ala lui a yani, inculqué de dire, yani, transmis, ce qu'il a dit de transmettre, alhamdoulilah. L'occasion s'est donc réduite à l'émigration. Donc, ils se sont basés sur la date de l'émigration pour faire de ça la nouvelle année, et non sa naissance et encore moins sa mort. Là, cette chose a été, yani, cette remarque a été faite par l'Asqalani, Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Là. Donc le deuxième point bénéfique et profitable, certains musulmans ont pour habitude d'établir des célébrations annuelles au mois d'Al-Muharram pour fêter l'immigration. Cette œuvre ne faisait pas partie de la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiallahu anhum. C'est donc une œuvre inventée qui est en dehors de sa sunna alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wa sallam. Certains musulmans ont pris pour l'habitude d'établir une célébration annuelle au mois d'Al-Muharram. Oh, le Muharram, ils font beaucoup de bida. Surtout les Rawafid, n'en parlons pas. Non. Et des bida au mois de Rajab, des bida au mois de Chouwel, des bida. Et comme ça, le croyant, non, le talibouline, il ne fait jamais une chose avant de demander aux savants. Et avant de chercher, faire des recherches. Cette chose existe ou n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on a hérité ça de père en père que ça veut dire que ça existe.
ça n'existe pas. Si on prend seulement le Maulid al-Nabawi, la date de naissance, l'anniversaire de la naissance du prophète, ça existe, yani dans la Sunna, ça n'existe pas. Le prophète Hassan ne l'a pas fait. Les quatre grands califs, yani les plus proches de lui, qui l'aiment beaucoup, ne l'ont pas fait. Tous les Sahaba ensuite, 18 000 ou plus, ne l'ont pas fait. Ensuite, les quatre grands imams, Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmed, ne l'ont pas fait. Les tabi'in ne l'ont pas fait. Jusqu'au 4e siècle où les Rawafid ont commencé à faire les Fatimiyoun, les Fatimides. Ce sont eux qui ont commencé à faire cette chose, Naam, et à investir des sommes colossales en cela. Mais pour construire des mosquées ou faire prêcher le Tawhid ou la Sunna, non. C'est pour faire des bid'a qu'ils ils utilisent toutes ces sommes. Allah Ta'ala nous préserve. Donc, celui qui aime le prophète Hassan, c'est celui qui le suit. Yani, suit au maximum Naam, dans la parole cachée. Et ce n'est pas celui yani, qui fait le maulid et qui fait ces fêtes-là. Car fêter et faire des pétards, éclater des pétards, c'est la chose la plus facile que tout le monde peut faire. Même quelqu'un en état d'alcool, sous, il peut jeter des pétards et faire la fête et manger cette nuit-là jusqu'à se rassasier. Mais est-ce qu'il jeûne le lundi et jeudi? Est-ce qu'il prie la nuit? Est-ce qu'il fait la sunna du professeur dans ses vêtements, dans la façon de se comporter, dans et comme ça? Naam. Donc il faut éviter toute fête jusqu'à ce que je sois sûr qu'il y a un délit de cela. Ensuite, il y a une chose. Des fois, la personne naam, se trouve ou vit avec des parents, par exemple, qui font des fêtes de Noël, surtout là-bas, les reconvertis, etc. Ils sont éprouvés, que Allah Ta'ala soit avec eux. Et comment ils doivent faire? Naam. Il faut, Inch'Allah Ta'ala, être strict naam, pour ne pas assister à Allah Ta'ala et faire des calculs à l'avance. Moi, je sais que c'est dans une semaine la Noël, donc je commence à me préparer pour trouver des excuses, des excuses plausibles. Naam. Pour voyager ou pour aller chez une sœur ou pour je ne sais pas quoi, pour tomber malade. Je vais tomber malade, je ne sais pas quoi, le moyen pour ne pas assister. Pour ne pas assister. Ensuite, par rapport à ce qu'on donne, à la nourriture, au gâteau, etc., la règle que je vais vous donner, qu'a donné Timmy, et bien sûr, ce n'est pas la mienne, c'est que pendant ces fêtes-là, ces fêtes interdites, bien sûr, il n'est pas permis de manger ce qu'on prépare à cause de ces fêtes-là. Comme a dit Cheikh Ben Othaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit toute chose préparée, toute chose, tout aliment, tout gâteau, tout préparé en l'occasion d'une fête qui n'est pas permise est interdit à manger. Tout aliment, toute chose préparée à cause de, par exemple, le chocolat qu'on prépare pendant la Noël, les sabots, etc. Tout ça, c'est haram de manger. Pourquoi? Car on l'a préparé à cause de la Noël. Et la Noël, c'est haram. Donc, la même chose ici, je reviens à la règle de Ptémia. Il a dit que, donc, puisque c'est interdit de manger, alors qu'est-ce qu'on mange? Ce jour-là, pendant la fête interdite, tu peux manger ce qui est halal. Ce qui est halal, par exemple, qui n'a pas été préparé. Tu peux manger des fruits. Les fruits ont été préparés, n'ont pas été préparés. C'est Allah Ta'ala qui les a créés. Manger des fruits, manger, il a dit, tout ce que Allah Ta'ala a créé n'a pas été préparé. Là, ça, c'est permis, bi'idnah, subhanahu wa ta'ala. On continue. Cheikh, corrigez-moi si je me trompe. Il me semble qu'une fois on avait vu que pour les personnes à qui on offre entre guillemets de force ou là que les personnes n'arrivent pas à refuser des plats durant ces fêtes, on pouvait après donner ça aux animaux. Wallahu a'lam. C'est normal, on peut les donner aux animaux. On peut. Il y a un hadith authentique où les sahaba avaient fait cuire, avaient fait dans des marmites, ils avaient mis de comment on appelle ça, de l'âne, avant que l'âne ne soit interdit, car il faut savoir que l'âne était permis auparavant. Ensuite, il a été interdit et est resté consommable l'autre âne, qu'on appelle le zèbre, l'autre âne. Mais l'âne la domestique, il est interdit à manger. Alors, pendant qu'ils sont en train de faire cuire, et voilà que le verset descend, et Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne leur apprend que, voilà, ça vient d'être interdit. Yani, Jibril est venu, m'a ramené que c'est interdit de manger de l'âne. Naam. Dans un hadith ici, il a dit de donner l'asra, l'osara. Naam. L'osara est dans un autre
يعني صديق aux animaux. نعم. N'a pas cité les animaux, il a dit quelque chose comme ça qui ressemble. Alors, les savants ont dit, puisque l'animal n'est pas, il n'a pas le teklif, Allah Ta'ala ne lui a pas demandé de s'éloigner du haram, ni de prier, ni. Hein, il n'a pas de teklif. Comment on dit teklif? Il n'est pas, disons, chargé de. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable, d'appliquer la charia. Donc, dans ce cas, il peut manger. C'est pour ça qu'une personne, si elle a quelque chose de haram, là, et elle a un chien ou elle a un animal qui mange, par exemple, cette chose, elle la lui donne. Il n'y a pas de problème parce que l'animal, il n'y a pas de haram pour lui et il n'y a pas de halal, inshallah ta'ala. Là. جزاكم الله خيرا شيخ على هذه الفائده. وفاته صلى الله عليه وسلم وتوفي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وقيل 65 وقيل 60 والاول اصح. Sa mort عليه الصلاه والسلام. Il est mort alors qu'il avait 63 ans. D'autres ont dit 65 ans et d'autres 60 ans. Le premier avis est plus authentique. L'avis le plus authentique est que le prophète est mort ou la soit mort à l'âge de 63 ans. Pour quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans, il va dire 60 ans, 63, c'est beaucoup. Alors que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup. Quand tu vas atteindre 60, tu vas dire, je viens juste d'ouvrir les yeux. Et c'est comme ça l'être humain. Même s'il va vivre 1000 ans, il va dire, je viens d'ouvrir les yeux, je voudrais vivre davantage. Mais en vérité, 63, c'est court par rapport à nous. Mais sachant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, أعمار أمتي بين 60 و 70 وقليل من يجوز حديث صحيح. Il a dit les âges ou bien l'âge de ma communauté c'est entre 60 et 70. 60 et 70. Il a dit et peu dépasse ce cap. Dépasse 70. 70. C'est vrai, ce qui dépasse 70 maintenant, on n'a pas beaucoup. Il y en a, mais pas beaucoup. Mais la plupart, il y en a avant. 30, 40, 25, 20, 28, 40, 46, 50. Non, il a dit, l'âge de ma communauté, en moyenne, c'est entre 60 et 70. Donc, toute personne qui dépasse les 70, ça veut dire que, elle a une grande faveur. Son âge, c'est entre 60 et 70. Dépasser les 70, Allah iberg. Tout ce qu'il faut savoir. C'est que, si on va voir Allah Ta'ala quand il a commencé la créature, par Adam alayhi salam, jusqu'à nous et jusqu'à ceux qui vont venir après nous. Si on remonte à la racine, à Adam, il faisait 30 mètres de hauteur, de gabarit, 30 mètres. Nous, le meilleur de nous ne fait pas 2 mètres. Le meilleur de nous, il fait 1 m 90. Très rare ceux qui font 2 mètres et quelques, très rare, 5 ou 6 dans le monde. Le meilleur, 1 m 90, 1 m 95. Alors que Adam al-Sin faisait 30 mètres. Et combien qu'il a vécu? Il a vécu 1000 années. Ensuite, Adam, Noé, Ibrahim, et comme ça, les messagers, 124 000, les prophètes, et en descendant jusqu'à Mohammed alayhi sallam, à chaque fois, l'âge rétrécit. Et la taille rétrécit. C'est pour ça qu'avant nous, il y a ce qu'on appelle maintenant des cyclopes, comment on appelle, des gens vraiment grande taille. Géant. Ah, géants, des géants, il y a des animaux qu'on appelle maintenant par exemple des dinosaures, des animaux vraiment géants, pour qu'ils soient compatibles avec l'être humain. Il ne peut pas y avoir un être humain qui fait 30 mètres de haut avec un mouton qui de la forme ou de la taille de nos jours. Ça devient pour lui, c'est comme une fourmi, que ça soit relatif. Comprenez? Donc, plus maintenant on va vers la fin du monde, plus notre âge rétrécit, le meilleur de nous va vivre 100 ans et aller au grand maximum. Et plus notre taille rétrécit. Et c'est pour cela que ce qui va venir, peut-être, c'est grave. Peut-être ça va venir jusqu'à descendre plus, pas par rapport à l'âge, mais pas par rapport à la taille. Non. Allah Azza wa Jal a'lam. Non. وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين حين اشتد الضحى لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول وقيل لليلتان خلتا منه وقيل لاستهلال شهر ربيع الأول لليلتين
نعم شيخ وقيل لليلتين خلت منه. جزاك الله خير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi, au moment le plus chaud du matin, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. D'autres ont dit le 2, d'autres ont dit à l'apparition de la lune du mois de Rabi' al-Awwal. Ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort un lundi, sûr. Dohan, vers 11h, 10h, midi, ou le plus chaud. D'autres ont dit le 2. Il est mort le 2. D'autres ont dit à l'apparition de la lune. Pourquoi? Parce que comme on a dit tout à l'heure, ils n'ont pas donné d'importance à la mort. La mort, c'est déjà triste, mais pas envie d'y penser, alors je ne cherche pas à comprendre quand est-ce qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et même par rapport à sa naissance, il est né un lundi, mais par rapport au 12, le 12 qu'on cite aussi, non, il n'y a pas une date à 100%. C'est pour ça que même ceux qui font l'anniversaire, son anniversaire, le 12 Zama Mirabel, ou ceux qui font l'anniversaire, son anniversaire le 12, certains leur disent, non, premièrement, vous n'avez aucune preuve tangible. Deuxièmement, vous êtes en train de faire l'anniversaire pour sa mort et non pas pour sa naissance, car il est mort le 12, non, d'après la vie le plus fort. Et ce n'est pas il est né le 12, mais plutôt il est mort le 12. Non. Sinon, pour sa naissance, comme j'ai dit, il y a aussi beaucoup, pour sa date de naissance, il y a beaucoup de divergences. ثم الذي صلى الله عليه وسلم ودفن ليلة الأربعاء وقيل ليلة الثلاثاء. Il fut enterré la nuit qui précède le mercredi. D'autres ont dit la nuit qui précède le mardi. Il fut enterré صلى الله عليه وسلم d'après la vie le plus fort mardi la nuit. Donc il fut enterré la nuit qui précède le mercredi. C'est ça. Mardi la nuit. D'autres ont dit la nuit qui précède le mardi. C'est-à-dire lundi la nuit. La vue le plus fort, c'est il est mort, il est enterré, mardi, c'est pas, il est enterré mardi la nuit, c'est pas il est mort, mais enterré mardi la nuit, non. La nuit qui précède le mercredi, c'est-à-dire mardi la nuit. De là, on prend une sunna, si ça vous est passé par l'esprit, la permission d'enterrer une personne la nuit. Parce qu'il y a des gens qui disent comment on va enterrer une personne la nuit. Bien sûr, le prophète Hassan lui-même a été enterré la nuit. Fatima radiallahu ta'ala a été enterrée la nuit. Et il y a 4 ou 5 autres que j'ai comme ça dans mes notes personnelles qui ont été enterrés la nuit. Là, c'est dommage, quand je préparais le cours, l'idée ne m'est pas venue à la tête pour aller voir les notes et vous rappeler les noms. Je me rappelle seulement de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et de Fatima radiallahu ta'ala qui a été enterrée la nuit. Je me rappelle surtout de Fatima. Pourquoi? Parce que les Rawafid ont critiqué quelqu'un qui a été enterré la nuit. Et les Sunna leur ont répondu, leur ont dit, vous, Zama, les Rawafid, Zama, Ahl al-Bayt, les gens de la maison, Zama, vous aimez Fatima, vous l'adorez, vous la vénérez. Et subhanallah, comme vous avez dit, Juhad la Sharia, vous ne savez pas qu'elle a été enterrée la nuit. Subhanallah, l'adhim. Naam. وكانت مدة علته 12 يوما وقيل 14 يوما. Sa maladie dura 12 jours. D'autres ont dit 14 jours. Seulement 12 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde jusqu'à يوم القيامة بإذن الله تعالى, jusqu'à la résurrection. Donc 12 jours. Quand quelqu'un tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, là, rapporté par le prophète sallam dans un hadith authentique, que si la personne ne me plaint pas à ses visiteurs, je le récompenserai par la chair, mieux que sa chair, du sang, mieux que son sang, des os, mieux que ses os, et le guérirai bien la terre. Sauf si quoi? Si c'est venu le ajr, s'il a atteint le cap, il ne peut pas dépasser, si la terre a écrit 60 ans, il ne peut pas vivre 60 ans et un jour. Mais pendant la période où il tombe malade, cette condition quoi? De ne pas se plaindre aux malades. C'est à nos visiteurs. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils rentrent chez lui, j'ai ceci, j'ai cela, ceci, cela, et ça me fait mal ici, ça me fait mal là, et comme ça. Non, arrête de te plaindre. Malish, c'est pas interdit de dire que je suis malade ou que j'ai telle maladie. Mais si tu te plains,
قلت والله سبحانه وتعالى يا الله يا الله عني استغفر الله استغفر الله يا ربي يا ربي عني كم سمع ديش مي باوجون باوجون نعم. Bien sûr, si la personne yani, fait ce que je viens de faire comme ça maintenant, yani, elle a beaucoup de malaise, beaucoup de mots, mais ne fait pas yani, à cause des gens. Mais les gens l'entendent, ce n'est pas grave. Pas grave. D'ailleurs, Aïcha, radiallahu ta'ala, a dit une fois dans le hadith sahih, rapporté par le Bukhari, elle a dit, « Ya Rasulallah, ma tête, j'ai mal à ma tête. » Donc, yani, le professeur ne lui a pas dit, « C'est interdit de dire j'ai mal à la tête. » Et lui-même lui a répondu ici, en acquiesçant et en consentant ce qu'elle a dit. Il lui a dit, plutôt c'est moi qui ai mal à la tête. Il lui a dit, c'est plutôt moi qui ai mal à la tête. Yani, j'ai plus mal que toi. Non. Donc, et n'oublie pas que quand la personne est malade, yani, pour la personne, yani, juste elle tombe malade, Allah subhanahu wa ta'ala commence à quoi ? À lui enlever et s'y être. Tout ce qu'il avait comme ce qu'il a fait comme mauvaise action, comme péché, Allah subhanahu wa ta'ala commence à les lui effacer et absoudre. Ça, s'il tombe malade, même s'il ne patiente pas, il lui enlève les siyyat. Mais maintenant, s'il ajoute à cela, il va patienter pour Allah azza wa jalla et escompter la récompense chez Allah. Dans ce cas, ça va même lui marquer des hasanat, cette maladie. Donc, la maladie, ou bien elle enlève les siyyat, celle-là, elle l'enlève pour tout croyant, même s'il se plaint et ne patiente pas. Et ça peut être aussi enlever les siyyat plus ajouter des hasanat si la personne escompte l'ajr chez Allah Ta'ala. Car pas tout le monde escompte l'ajr. Il y en a qui se plaignent aux gens, aux voisins, ils disent pourquoi c'est seulement moi qui tombe malade. Pourquoi ça fait 20 ans que je n'ai pas trouvé, de résultat, je n'ai pas trouvé la guérison. Alors, il y a des kofars qui sont malades du cancer et Allah Azza wa Jalla leur donne la guérison. Ils ne me la donnent pas à moi. Comment ça dire comme ça des choses yani, qui se contredisent avec yani, la perfection du tawhid ou l'ayadu billah. Qu'Allah Ta'ala nous donne la guérison, Ya Rabbi, à tous les croyants. Amin. Son lavage, sallallahu alayhi wa sallam, ghassalahu Ali ibn Abi Talib. وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم بن العباس وأسامة بن زيد وشقران مولاياه وحضرهم أوس بن خولي الأنصاري. Ceux qui le lavèrent furent Ali ibn Abi Talib, son oncle al-Abbas, al-Fadl, fils d'al-Abbas, Qutham, fils d'al-Abbas, et ses deux affranchis, Usama ibn Zayd et Shukran, ainsi que Aus ibn Khawli al-Ansari, qui assista. S'il vous plaît, les webcams, ça m'a perturbé. S'il vous plaît, les webcams, faites attention. Jazakumullah khaira. Ceux qui le lavèrent furent son gendre, son cousin, Ali ibn Abi Talib, son oncle, l'Abbas, Fadl, fils de l'Abbas, Qutb, fils de l'Abbas, et ses deux affranchis, Usama ibn Zayd et Shukran, ainsi que Aus ibn Khawli, l'Ansari, qui assista. Ce sont ceux-là qui le lavèrent, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous savez, quand il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas su, les sahaba, s'il fallait yani, le laver. Bon, ils savent qu'il faut le laver, c'est-à-dire avec les vêtements, ou comme tout le monde, le dénuder et le cracher yani, comme ça. Allah l'adim, ils n'ont pas su l'adim. Ils ont dit, on n'a pas demandé ça yani, quand il était vivant. Et subhanallah l'adim, ils ont entendu une voix. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange, comme ça, dans le coin de la chambre, leur dire comme ça, qu'il faut qu'il soit avec ses vêtements, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc, ils l'ont lavé, sallallahu alayhi wa sallam. Et là par rapport au lavage, il faut savoir qu'il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il dit que quand quelqu'un lave un mort, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne 40. Certains ont dit, il n'a pas dit 40 quoi. Est-ce que c'est 40 CIA ou 40 grands péchés? Certains savants ont dit, tant qu'il n'a pas précisé, ça peut rentrer aussi des grands péchés. 40 grands péchés, si quelqu'un lave, yani, un mort, bi'idnillahi ta'ala. La condition, bien sûr, qu'il ne mette pas comme yani, condition que vous me payez ou je ne lave pas. Mais il lave pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand quelqu'un lave quelqu'un pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, si quelqu'un veut lui donner, et lui, il veut prendre, ce n'est pas interdit.
même s'il ne prend pas, c'est mieux. S'il ne prend pas, c'est mieux. Je me souviens une fois, non, ça c'était une ruqya, c'était pas un lavage. Une fois j'ai fait ruqya à quelqu'un, il a sorti, c'était un émir, il a sorti je ne sais pas combien de billets, de francs, de billets autrefois, non, et il a voulu me les donner. J'ai dit non, jamais, je prends pour la ruqya à moi. Jamais je n'ai pris de ma vie un centime pour la ruqya. Je l'ai fait pendant presque 20 ans. Non, Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, vous préserve. Al-Muhim, mais quand je vois et j'entends ce qui se passe dans certains pays, surtout en France, et c'est surtout des sœurs qui font cela, il te dit, Yanni, pour que Yanni, je t'apprenne, pour que je t'apprenne à laver le mort, il faut des stages, il faut me payer. Ah, il faut me payer, sinon moi je n'apprends pas aux gens, Yanni, comment pratiquer la sunna sur le lavage. Abdittaqullah subhanahu wa ta'ala. Attaqullah subhanahu wa ta'ala. Ne prenez pas le din. Cette religion. Non? Il y a le lavage et aussi il y a une nouvelle mode. C'est que certains prédicateurs proposent maintenant des formations pour apprendre à prier, des formations qui coûtent 500 euros, etc. Allah akbar. Le lavage, je crois que c'est. Faites des choses pareilles à une ibada. Une ibada qui va se trouver demain devant Allah. Le jour où il n'y aura ni argent, ni euros, ni que d'affaires, fais fissabillah. Apprends-le aux gens, fissabillah. Il y a même des dissidences, il y a des désaccords, il y a presque des bagarres à cause de l'argent. À qui on donne l'argent, qui doit prendre l'argent, celle qui lave, ou celle qui vient avec elle, ou ceci, cela, vous pensez à ces choses-là, éloignez-vous de ces choses-là. Éloignez-vous de ces choses-là. Subhanallah l'azim. Moi, il ne me reste plus rien à faire, de quoi vivre, de quoi manger et boire. Je vais maintenant apprendre aux gens comment laver et prendre de l'argent. Subhanallah. Alors, par rapport à ce qu'a dit le frère maintenant, l'admin Samir, il a dit que maintenant on fait des stages avec de l'argent, 500 euros pour apprendre la salat. Et pour, qu'est-ce que je dis? Je dis Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une grande mosseba qui est tombée sur un grand malheur qui est tombé sur les musulmans et l'islam. Pourquoi l'islam? Parce que ça donne une très mauvaise vue sur l'islam. Les gens, même les reconvertis, vont croire que donc pour apprendre la salat, moi, donc je dois payer 500 euros pour qu'on m'apprenne la salat. Sinon, on ne va pas m'apprendre. Donc moi, je ne vais pas embrasser cette religion. Je reste donc christianisme ou de là. Et c'est quoi la différence maintenant entre l'islam et le christianisme? Christianisme, quand tu vas chez le curé ou le pape, je ne sais pas qui, tu lui donnes de l'argent là, pour qu'il te fasse des doigts, il te donne un chèque pour aller au paradis. Celui-là aussi, il doit payer pour que tu apprennes la salat. Un mot de din, 500 euros. Ce n'est même pas 10 euros. 20 maximum, là, je meurs de faim, 20 euros pour acheter un peu de pain et de fromage. Ne pas mourir de faim. 500 euros. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Certains vont dire, oui, mais le Coran s'est permis de prendre le hadith authentique. Naam. Le hadith d'Abi Saïd, quand il a fait la ruqya, il a dit le Coran sur quelqu'un, et on lui a donné 30 moutons, et le professeur a dit, ni'ma, cette ruqya, il a dit, le Coran, ni'ma, quelque chose comme ça. On va dire, premièrement, le Coran, ce n'est pas comme la salat. On ne peut pas faire d'analogie de qiyas. La salat, urbatun mahla. Le Coran, non. Ensuite, le Coran, ce n'est pas obligé de l'apprendre, de le faire apprendre, sauf le fatiha avec laquelle on prie. Mais la salat, c'est obligé. Et la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Toute chose obligée. C'est interdit de prendre quelque chose en sa contrepartie. C'est une règle pour l'apprendre. Ton père va dire, va m'acheter du pain. C'est obligé ou c'est pas obligé de le faire? C'est obligé. Est-ce que tu peux lui dire non? Sauf si tu me donnes 10 euros. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est obligé que tu ailles lui acheter. La qita. Quelqu'un, je marche dans la rue, je trouve une bague en or. Bon, je la prends, ensuite je fais des annonces, etc. Son propriétaire, maintenant, je le connais bien chez moi, il me dit, rends-moi la bague, ou là, moi, je lui dis, viens, je te donne la bague. Je lui dis, voilà, c'est ta bague, il la reconnaît, oui, c'est elle. Voilà, je te la rends, mais tu me donnes 10 euros. C'est possible. C'est haram. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de lui rendre sa bague. Toute chose obligée, c'est interdit de prendre la contrepartie. Non.
Et même si on revient au Coran, le Coran, que le prophète a permis de prendre en contrepartie pour le ta'lim, les avis des savants diffèrent, ils ne sont pas tous d'accord. Beaucoup disent oui, il y en a qui disent non. Al-Albani, rahimahullah, dit c'est interdit. C'est interdit d'apprendre à quelqu'un le Coran avec de l'argent. Dit, c'est interdit. Là, c'était deux hadiths authentiques. Yani, dans sa silsila sahiha. Où quelqu'un a fait apprendre à quelqu'un du Coran et lui a donné un arc. Ensuite, il a eu peur. Il a dit, on ne sait jamais, ce n'est pas permis. Il a demandé au professeur Sam, il lui a dit, c'est permis. Il lui a dit, si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala entoure ton cou, yom al-qiyam, avec un arc, avec cet arc, en feu, en le mettant en feu, alors accepte cet arc. Il n'a pas accepté. Il a cité deux hadiths comme ça authentiques. Donc, même par rapport au Coran, il y a divergence. Qu'en est-il la salat, un mot de din, la salat que normalement je dois apprendre aux gens, et moi je leur donne de l'argent. Venez, je vous apprends la salat et je vous donne de l'argent pour que vous appreniez, pour que je prenne le ajr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je sais que vous ne voulez pas apprendre. Venez, Allah, je vous paye, je vous apprends la salat. Maintenant, c'est le contraire. Stage, 500 euros pour m'apprendre la salat. Une fois, on m'a envoyé la photo de celui, de la personne qui apprend la salat. Elle-même, cette personne, la façon de mettre les mains sur la main droite, sur la gauche, ce n'est pas comme ça. C'est une faute. Non. Aussi, il avait la tête découverte. La tête découverte avec... L'Al-Moustan. Avec l'Al-Moustan, n'en parlons pas. Donc, 500 euros pour que j'apprenne à quelqu'un la salat. Ça veut dire, s'il ne m'apprend pas, ça veut dire que je ne lui donne pas. Ça veut dire, si je suis en train de prier. Ensuite, quelqu'un me demandait à prier à côté de moi. Il me dit, est-ce que j'ai sous doute ça ou si je fais cela? Je lui dis, attends. Je vois ce que tu es dans la liste. Ah, tu n'es pas dans la liste. Tu ne m'as pas payé 500 euros. Je n'apprends pas la salat. La ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi al-adim, c'est un grand malheur. Et maintenant, ça ne va pas s'arrêter là. Regardez tout là, vous allez entendre ensuite 500 euros pour apprendre la zakat, ensuite pour la ramadan, ensuite pour le hajj, ensuite pour le siyam, ensuite 500 euros pour le wudu, ensuite 500 euros pour les lochis, ensuite pour les menstrues, ensuite et comme ça. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah al-musta'an. Qu'Allah ta'ala guide ces gens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ces gens. Je vis pour utiliser le din pour extirper de l'argent aux gens. Si au moins c'était 5 euros ou 10 euros, yani juste comme ça pour me fatiguer ou acheter des stylos pour vous apprendre ou l'internet, je sais pourquoi, donnez-moi 5 euros. 500 euros. Allahu Akbar, hasbunallahu wa ni'm al-wakil. Moi j'arrête parce que j'ai l'attention et j'ai peur qu'elle me monte. Le dars. Tafadhal. Ensevelissement, sallallahu alayhi wa sallam. وكفنا في ثلاثة أبواب في ثلاثة أثواب بيض سحولية بلدة باليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. Son corps fut placé dans trois pièces d'étoffe blanc de Sahoul, une ville au Yémen, sans camis ni turban. Eh ouais, beaucoup croient que quand on va faire l'ensevelissement, on va le mettre dans les draps, ils vont lui mettre un sarouel, ensuite un camis. Ensuite, une grande doura, ensuite une chéchia, ensuite un turban sur la tête. Tout ça, c'est bida. Pour l'homme, trois draps. Un drap blanc, un deuxième dessus, un troisième. On le pose sur le troisième. On le couvre. Ensuite, il y a le deuxième qui est en dessous. On le couvre. Ensuite, le dernier qui est en dessous. On le couvre. On attache. Et salam alaikum, c'est terminé. Tout ce qu'on ajoute, c'est bida. Tfadal. Samir. Amen. نعم la prière de la janaza wa salla alayhi al muslimun afdadan lam ya'umhum alayhi ahad. Qu'est-ce qu'il y avait, Kamel? Pourquoi ce silence? Il y avait la caméra, cheikh. Ah, jazakallah khair. Shift kifash el mashakil la izam la caméra. Izam la caméra, izam la caméra. Asna chouf. Yom el qiyamah chouf, parce qu'ils veulent nous perturber dans le cours. Ma'adish. Rabbi subhanahu wa ta'ala. Les musulmans prièrent sur lui individuellement. Personne ne dirigea leur prière sur lui. Donc les musulmans prièrent sur lui individuellement. Personne ne dirigea leur prière sur lui. Donc le prophète, quand il est mort, personne ne l'a guidé. Il n'y a pas eu un imam pour la salat janaza. Salat janaza, il faut un imam. Il guide les gens et eux, ils prient derrière lui. À ce propos, donc, je profite ici pour dire que
salat al-janaza, beaucoup de gens ne savent pas la prier. Alors, je dis très vite que c'est très important dans la première rak'at, après avoir dit Allahu Akbar et lever les mains, Allahu Akbar, on lève les mains dans la première. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence à lire, que ce soit un homme ou une femme. Donc, est-ce que vous m'entendez? Naam. Naam, Jir. Parce que c'est écrit, vous êtes en sourdine, vous êtes machar. Donc, on dit Allahu Akbar, on lève les mains et on commence à lire le Fatiha. On ne fait pas dua al-istiftah. On ne dit pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabir, Alhamdulillah, Kathir, Subhanallah, Bukhara, Tanasila, ou quelque chose comme ça. Pas de dua al-istiftah. On commence direct. Allahu Akbar, on lit le Fatiha. Naam. Quand on termine, Allahu Akbar, la deuxième fois. Et est-ce qu'on lève la main, les mains, pour la deuxième fois, troisième et quatrième, il y a divergence. Cheikh Al-Albani dit on ne lève pas. Il n'y a aucune sunna qui atteste de cela. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dit on lève. Parce que Abdullah ibn Omar levait les mains dans les quatre takbirat. Il a dit qu'Abdullah ibn Omar ne va pas inventer cette chose de sa tête. C'est sûrement qu'il a vu le prophète sallam lever. Conclusion, celui qui lève, alhamdoulilah, dans les quatre, celui qui lève seulement dans la première, alhamdoulilah, c'est la sunna. Donc maintenant, Allahu Akbar pour la deuxième. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma Muhammad, comme ça, et comme ça. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne sait pas du tout, il dit Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, comme ça. La troisième, il fait la dua. Attendez, je me rappelle comment que dit la dua. Allahumma, ça fait longtemps que je n'ai pas fait salat al-janaza. Allahumma, non, le début, vous le connaissez. Ça y est. Allahumma, fil li fulan, cheikh, non? Ah, avec la quatrième, c'est pour nous et les musulmans. Non, Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa hadirina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa untana wa dhakarana, et comme ça. Et dans la quatrième, il fait des doigts pour le mort et pour lui aussi. Allahumma la tuhrimna ajrah, Allahumma la tudhinna ba'dah, et comme ça. Non. Donc, voilà qu'on fait. Ensuite, je fais salam alaykoum, non, sans يعني lever la voix. Naam, salam alaykoum, comme ça. Naam. Et s'il veut ajouter à gauche, c'est permis aussi. C'est permis aussi. C'est comme ça qu'on fait salat al-janaza. Pourquoi? Parce que certains et beaucoup disent que ça suffit de doa. Yani, il y a pas de quoi. Tu dis Allahu Akbar à la première et tu fais des doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu zid fi hasanati wa yani qihi zid fi hasanati wa qihi sayyiati. Comme ça et comme ça. Alors que c'est pas vrai. Il faut lire le Fatiha dans la première. Car le prophète sallam a dit la salat, l'imam lam yaqra bi umm al-kitab. Il n'y a pas de salat pour celui qui ne lit pas le Fatiha, en général. Or, cette salat janaza, ça s'appelle salat al-janaza. Ça ne s'appelle pas la dua de la janaza. Ça s'appelle salat al-janaza. Puis ça s'appelle salat. Donc, elle est englobée par le hadith qui dit qu'il faut lire le Fatiha. Ibn Allahi ta'ala. وَفُرِشَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا. On disposa en dessous de lui un manteau rouge avec lequel il se couvrait. On disposa en dessous de lui un manteau rouge avec lequel il se couvrait. Le fait de s'habiller en rouge, pour les femmes, c'est permis. Pour les hommes, il y a beaucoup de divergences. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une fois un sahabi, je crois que c'est une mourira, si je ne me trompe pas, habillé en rouge. Il lui a dit, c'est ta mère qui t'a dit cela, c'est-à-dire c'est elle qui t'a dit, yani, mets le rouge. Pour les femmes, c'est permis. Pour l'homme, il y a beaucoup de divergences. Mais la vie le plus juste, ou alors le moyen, c'est de dire c'est seulement makruh, c'est pas haram. C'est seulement makruh, et c'est pas haram. Et pour sortir des divergences, bien sûr, si tu peux mettre un rouge yani, qui n'est pas, yani, qui est mélangé. Non, mélangé avec, par exemple, des rayures noires ou quelque chose de rouge et blanc et comme ça. Pas rouge yani, tout seul. ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران وأطبق عليه تسع لبنات. العباس, علي, الفضل, قثم, الشقران entrèrent dans sa tombe et placèrent 9 briques au-dessus de lui. Quand on va enterrer quelqu'un, نعم, et on décide que ça soit X et Y, Mohammed et Ali par exemple, qui vont descendre dans la tombe pour y aller lui mettre yani, des briques, etc., au-dessus de lui. Celui qui va descendre, toute personne qui veut descendre pour participer à l'enterrement
et placer des briques sur la, le défunt, doit ne pas avoir approché son épouse la nuit, là, comme dans un hadith authentique. Quelqu'un voulait descendre et qu'on lui a demandé est-ce que tu n'as pas fait ceci, cela, la nuit, tu ne t'es pas approché de sa femme. Alors, ils ont pris, d'après le hadith authentique, que ce n'est pas permis de descendre dans la tombe, si quoi, si la personne s'est approchée de son épouse la nuit. Après, quelques éclaircissements sur cette salat al-janaza. Bon, quelques éclaircissements sur la salat al-janaza du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, premièrement, l'hadith sahih an sahaba ridwallah alayhim annahum sallaw al-janaza ala rasul sallallahu alayhi wa sallam furada wa lam yusallu fi jama'a. Donc les hadiths authentiques sont clairs que les sahaba ont prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais furada, qu'est-ce que ça veut dire furada? Pas en groupe. Il rentrait dans sa chambre en groupe, mais chacun priait seul. Il n'y avait pas d'imam. Aucun imam n'a guidé. Le hadith an Abi Asib ou Abi Asim radiallahu ta'ala anhu, annahu shahida as-salat ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce sahabi qui a participé à la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit kayfa nusalli? Comment on va prier sur lui, c'est-à-dire avec imam ou sans imam? Il a dit udkhulu arsalan asa, rentrez par groupe, par groupe. Il a dit فَكَانُوا يَدْخُلُونَ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُونَ مِنْ بَابِ الْآخَرِ. Il a dit, il rentrait par cette porte, priait sur lui chacun seul, et sortit, et sortait de, d'une autre porte. Ils ne peuvent pas revenir par la même porte, sinon on va y avoir يعني, زَحْمَ كَبِيرَ, ensuite un grand encombrement. Donc on rentre par une porte et on sort de l'autre porte. Et on ne peut pas rentrer une seule personne, mais on rentre en groupe, 5, 10, 15, je ne sais pas combien, parce qu'il y a des milliers qui attendent dehors. Il ne faut pas oublier ça. Ah. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد واما صلاه الناس عليه افذاذا يعني على النبي عليه الصلاه والسلام فمجتمع عليه عند اهل السير وجماعه اهل النقل لا يختلفون في ذلك. Le grand savant malikite salafi ibn عبد البر رحمه الله تعالى a dit quant aux gens, la prière des gens seuls, c'est-à-dire pas en imam, individuellement sur le prophète صلى الله عليه وسلم, il a dit ça, c'est une chose يعني, dont il n'y a pas de divergence. Il n'y a pas de divergence chez les savants en âme que quoi, qu'on a prié sur lui seul et il n'y avait pas d'imam. Il n'y avait pas d'imam. Deuxième éclaircissement. وَأَمَّا فِي مَا يَخُصْ سَبَبْ ذَلِكَ فَقْذَكَرَ الْعُلَمَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَلَى فِي أَسْبَبْ صَلَاةِ صَحَابَ الْجَنَازَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ صَلَى سَلَمْ فُرَادَ أُمُورٍ كَثِيرَ مِنَهُمْ. Quant à pourquoi, pourquoi ils n'ont pas mis un imam et il les guide. Pourquoi ils ont décidé que chacun yani, prie seul yani, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a yani, le sabab, la cause, il y en a beaucoup. On va citer certains, parce qu'il n'y a pas quelque chose à 100%. On va citer certains de leurs ijtihad, ce qu'on dit les savants bi'idhnillahi ta'ala. La première cause, أن الله تعالى افترض الصلاة عليه بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما الأحزاب والأصل في هذه الصلاة أن لا تكون بإمام والصلاة عليه عند موته دخل في هذا اللفظ في لفظ الآية وهي متناولة لها وللصلاة عليه. C'est ce qu'a dit, يعني, dans ce qui a été dit dans الروض الأنف. نعم. Donc, je résume ici, pourquoi ils n'ont pas prié sur lui avec imam. Ils ont dit, Allah Ta'ala dit dans le verset, وَصَلُّوا عَلِيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Vous connaissez tous le verset d'Ahzab. صلوا, sur le prophète, a prié sur lui, وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Il a dit, et la salat, même si ici, صلوا عليه, ça veut dire faites-lui des doigts. Non. Ici, ils ont dit, il a employé le mot salat. Et nous, quand on prie sur le prophète, on dit, Allahumma salli wa sallim ala Rasulullah. On ne fait pas d'imam pour prier. Chacun prie seul. Chacun dit, Allahumma salli ala Muhammad. On ne va pas mettre un imam et il va dire salli ala Muhammad et on va dire salli ala Muhammad. Non, chacun seul. Ils ont dit, les salat al-janaza s'appellent aussi salat. Et Allah Ta'ala, quand il a dit sallu, et qu'on ne peut pas prier, on ne peut pas prier sur lui yani, dire Allahumma salli alayhi en groupe, la même chose puisque salat al-janaza c'est une salat, donc on ne doit pas prier sur lui en groupe. Première cause. Qalab Ramli rahimahullah ta'ala, après avoir cité Qalab de Shafi'i rahimahullah ta'ala, il a dit لأنه لم يكن قد تعين إمام يأم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء وتعين الخلافة. Imam Ramli rahimahullah ta'ala a dit
Ça, c'est normalement une seconde, normalement, plus d'abord cité qu'un homme Shafi'i. Voilà. Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit Salla al-Nas, ala Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, afradam, les gens ont prié sur le Prophète, chacun seul, sans avoir d'imam, ou dalika li'idami Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, li'idami amri, parce que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait gagné un grand statut, na'am. Donc, tenafusum, fi an la yataoula l'imam, donc, il ne voulait pas, plutôt, si on va décider de mettre un imam. Donc, nous, tellement on aime les sahaba, tellement ils aimaient le prophète Aslam, donc chacun dirait, je voudrais que ce soit moi. Je voudrais que ce soit moi. Donc, pourquoi c'est celui-là qui va prier sur lui? Pourquoi c'est pas moi? Ensuite, les autres vont dire, pourquoi c'est pas Omar? Les autres vont dire, pourquoi c'est pas Ali? Pourquoi c'est pas Uthman? Pourquoi c'est pas Abu Huraira? Et comme ça. Et au point où certains vont parler même d'eux-mêmes, pourquoi c'est pas moi? Ils ont dit, donc, yani, tellement, pourquoi ils disent, pourquoi c'est pas X, pourquoi c'est moi? C'est pas parce que, yani, ils vont, en contrepartie, avoir de l'argent ou de la, non, ils veulent le Hajj. Tellement ils aiment le professeur Salam. Qui n'aime pas que ce soit lui qui soit lui-même sur lui, alayhi sallam. Mais c'est fissabilla. Donc, ils ont dit, à cause de cela, pour qu'il n'y ait pas de dissidence, ils n'ont pas, donc, fait cela. Ils n'ont pas fait cela. Donc, si on revient ici. Ramli rahimahullah ta'ala va maintenant parler à propos de ce qu'a dit Shafi'i. Il a dit لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء تعين خلافه. Il a dit parce qu'il n'y avait pas, on n'avait pas désigné un imam. Même le professeur, quand il était vivant, il n'a pas dit qu'après moi, si je meurs, prie sur moi X ou Y. Il a dit maintenant, si quelqu'un, puisqu'il n'y a pas de désignation d'imam, si quelqu'un va se présenter, non, mais il va être désigné, alors après cela, on doit le désigner, il sera désigné sur toute chose. Voilà. Jusqu'à ce que, alors il sera désigné pour le califat. On va dire, puisque c'est celui-là qui a yani, guidé les gens après la mort du professeur, le premier à guider, donc qu'il reste le guide, le califat pour toujours. Alors que le califat, c'est pas comme ça qu'on doit le désigner. Troisième cause, التنافس الشديد بينهم لتحصيل الفضيلة. À cause de yani, la, comment on dit, tenafos, la grande yani, de... compétition. Hein? Compétition. La grande, disons, compétition, la grande yani, volonté, ardeur de vouloir yani, avoir le hajj chez Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur lui. Qala l'imam Shafi'i, avec Amr, salla al-nas ala rasulullah aslam, les gens prier sur le prophète aslam individuellement, pas d'imam. Parce que là, le prophète avait un statut, comme j'ai dit, yani, très grand, et que les gens, yani, tout le monde voudrait que ce soit lui qui prie sur lui. C'est pour ça, alors, on a dit que personne ne prie sur lui, yani, en imam. C'est dans la cité. Qal al-imam al-Qurtubi rahmahullah, voilà une autre cause, il a dit, aradu an ya'khuda kullu ahadin barakatahu makhsusan duna an yakuna fiha tabi'an li ghayrihi. Le Qurtubi ici dans Jami' Ahkam al-Qur'an, il a donné une cause yani, plus ou moins forte hein, que n'ont pas cité les autres. Il a dit chacun d'eux a voulu prendre sa propre baraka. Car quand on va prier derrière un imam, je ne prendrai pas de baraka que suivant l'imam, parce que c'est lui qui guide. Mais maintenant, je voudrais être yani, tout seul, dissocié dans la baraka. Je la prends tout seul, moi. Que chacun prenne sa baraka de cette salat tout seul lui. Il a dit, c'est tout seul lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu yani, de prière en groupe. Voilà, il y a un autre avis, bien sûr. Le dernier avis, par Zim al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, quatrième cause, ils ont dit, à cause que yani, les sahaba yani, donnent beaucoup d'ihtiram au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de respect, grand respect au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et yani, le heiba. C'est-à-dire que ils ont eu yani, la crainte comme ça, quelque chose dans le cœur qui les empêchait de s'avancer yani, et prendre yani, imama et guider les gens. On a dit, le prophète Islam, on le respecte tellement que c'est pas n'importe qui. Moi, je viens comme ça et je dis, allez, je vais prier sur lui. Qui es-tu, toi, comparé au prophète Islam? Qu'est-ce qu'il t'a dit, prie sur moi en gros? Qu'est-ce qu'il t'a donné yani, une permission personnelle, alors que chacun reste à sa place sur la terre.
que chacun reste à sa place et ils ont prié chacun individuellement بإذن الله تعالى. يقول بوهوتي الحنبلي رحمه الله تسن صلاة أو تسن يعني على الميت جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه استمر الناس عليه إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه بإمام احترام لهم. Il a dit c'est sunna de prier bien sûr les janazas comme on fait يعني جماعة لفعله comme a fait le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons, ils ont tous prié يعني en groupe sur les gens. Et les gens continuent cela, sauf le prophète alayhi salatu salam, sauf lui. Ils n'ont pas prié sur lui en groupe, mais individuellement, ihtiram lahu, par respect. Par respect. Naam. Son enterrement, sallallahu alayhi wa sallam, wa dufina fil mawdi' alladhi tawaffahu Allah fih, hawla firashih. Il fut enterré à l'endroit où Allah a repris son âme, près de son lit. Vous savez que le prophète alayhi salatu salam est mort, sa tête sur le giron, les genoux de son épouse Aïcha radiallahu ta'ala, et qu'il a été enterré dans sa pièce. C'est une grande gifle, une gifle énorme, une claque qui fait vraiment très fort aux Rawafiz, qui disent que c'est une zaniya et que c'est même voire kafira, que Allah ne l'aime pas, le prophète ne l'aime pas. Alors comment se fait-il qu'il est mort? Plutôt même, en étant malade, il n'était pas chez Aïcha. Quand il a su que c'est peut-être sa dernière heure, il a demandé, il a dit, qu'on m'emmène dans la chambre de Aïcha. C'est-à-dire pour terminer, mais s'il doit mourir, je termine mes jours là-bas. Donc lui-même a choisi qu'il meure, parce que sinon les Rawafid vont dire, oui, c'est venu comme ça, il était dans sa chambre, il est mort, ça ne veut pas dire qu'elle est une bonne femme. On dit non, c'est lui qui a choisi. Il était chez une autre de ses épouses, il a dit, prenez-moi chez Aïcha. C'est-à-dire, il voulait dire, je veux mourir chez elle si je dois mourir. Et c'est chez elle qu'il a... sur son giron, ses genoux, qu'il est mort, et dans sa chambre, Aïcha, qu'on l'a yani, enterré, sallallahu alayhi wa sallam. وَحُفِرَ لَهُ وَأُلْحِدَ فِي بَيْتِهِ الَّذِي كَانَ بَيْتَ عَائِشَةَ. C'est ça, voilà, c'est ce que je voulais dire. On creusa une tombe dans sa maison qui était celle de Aïcha, radiallahu anha. Radiallahu ta'ala anha. Siddiqa bint Siddiq, la véridique, fille du véridique. Naam. Et les Rawafid, les menteurs, fils de menteurs. Plus tard, Abu Bakr et Omar ont été enterrés à côté de lui, radiallahu anhuma. Ce qui prouve, les Sahaba, des milliers, ont décidé de mettre Abu Bakr et Omar avec lui, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était des kuffars, comme disent les Rawafid, des gens, yani, des gens maudits, ou là, qu'Allah maudisse les Rawafid. Alors, pourquoi les milliers de sahaba ont consenti et accepté et ont même été soucieux qu'ils enterrent Omar radiallahu ta'ala anhu et Abu Bakr à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la même chambre? Radiallahu anhum, radiallahu anhuma, radiallahu anhuma, radiallahu anhuma. Mais les Rawafid sont des khoubaza, sont des shayatim. Ils n'ont rien de l'islam, juste le nom. L'islam pour eux, c'est juste comme ça une ruse, un subterfuge pour yani, chasser avec le nom, c'est-à-dire plus spécialement pas l'islam, plus spécialement les gens de la maison, Ahl Bayt. Oh écoute, nous ne sommes pas seulement des musulmans, attention, on a un statut plus élevé que vous. Ah, vous êtes qui? On est Ahl Bayt, on fait partie de la maison du prophète Islam. Et tout ça, ça c'est venu des Yehoud. Les Yehoud qui leur ont inculqué yani, cette idée de faire comme ça pour yani, faire croire aux gens que ce sont les meilleurs. Il y a maintenant de nos jours qui te dit je descends de yani, la généalogie du prophète Aslan. Beaucoup de gens disent maintenant, moi je fais partie de la généalogie ou la descendance du prophète Aslan, comme les Rafids disent de Ahlul Bayt. On ne te demande pas d'être de l'arbre généalogie, on te demande seulement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le prophète Aslan. Si vraiment vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux ne pas être de sa famille sallallahu alayhi wa sallam et être parmi les premiers au paradis. Et tu peux faire partie de sa famille et être les premiers à être jetés en enfer. Donc ça, c'est taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la descendance. On va faire un petit sondage sur la sirah très vite. Naam, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Parce que pour voir si vous avancez ou si vous entendez avec, comment dirais-je, en étant soucieux ou là vous êtes là présent
et l'esprit à heure, vous allez dire, il a dit, je vais vous acheter une voiture, donc chacun attend la Porsche qu'elle arrive et la Ferrari. Donc, vous assistez seulement avec le Coran, on va voir. On va faire un sondage dans la Sira. Hein, vous allez répondre comme ça très vite, Inch'Allah Ta'ala. Comment faire pour revenir à la Sira? Je dois arrêter le partage, je pense. Hein? Naam, Cheikh. D'accord. Et vous m'entendez quand même? Naam, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya Rab. Voilà. Je lance le sondage, Inch'Allah Ta'ala. Vous avez 3 minutes. Bi'idhillahi Ta'ala. Et si tout va bien, Inch'Allah Ta'ala, vous aurez la Porsche. Inch'Allah. Virtuellement, pas la vraie, virtuellement. Samir. Naam, Cheikh. Tu vois le sondage? Naam, ils sont venus, Alhamdulillah. Est-ce que chacun peut faire monter comme ça la ou c'est moi qui dois leur monter? Normalement, ils doivent voter. Ils sont maintenant en train de... Monsieur voté. Est-ce que moi, je dois leur faire monter comme ça la page parce qu'ils chauffent la suite ou eux-mêmes? Ils chauffent Alhamdulillah. Yani, les 5 questions, on a les 6. Naam, qu'il y a 7. Saha. Comment s'appelle le garçon du prophète? Pense pas la peine de parler pour ne pas les gêner, Inch'Allah. Il y a certains qui se sont plaints la fois passée, ils ont dit on n'a pas reçu le sondage. Je dis, ça me dépasse. Je pense que peut-être pas tout le monde va le recevoir. Je ne sais pas pourquoi exactement. Mais si on a quelqu'un qui ne le reçoit pas, je pense que ça doit suffire. Un cher. Ah, yikfi, où est-ce que yikfi? Je dis yikfi, cher. Yikfi, on dit que c'est bon, Inch'Allah. Je mets fin, Inch'Allah Ta'ala, à ce sondage et voir, Inch'Allah Ta'ala, comment vous avez répondu. Donc maintenant, vous m'entendez, Inch'Allah? Naam, Cheikh. Naam. Vous voyez le résultat ou vous ne voyez pas? Il faut cliquer sur partager les résultats, tert. Ah, d'accord. Je partage les résultats, Inch'Allah Ta'ala. C'est bon. Donc, Ibrahim, ils ont dit c'est 66%. Al-Qasim, 21%. Il y a Abdullah 13%. Donc c'est juste, puisque c'est Ibrahim. C'est où est-ce mot? C'est Ibrahim. Ibrahim. Donc, la vraie réponse, c'est Ibrahim. Donc c'est elle qui a eu 66%. C'est bien. La mère de son Maria, c'est qui par rapport au messager al-Islam? La mère, son enfant, son époux, son esclave. En fait, quand j'ai écrit cette question, ensuite, j'ai compris que ça a porté à confusion. Parce que la vraie réponse, c'est la mère, son enfant. D'ailleurs, c'est elle qu'on a choisi à 47%. Mais certains peuvent dire qu'elle était aussi son esclave. C'est vrai, parce qu'on l'a envoyé comme esclave. On lui a donné comme esclave. Mais, après avoir eu un enfant avec elle, sallallahu alayhi wa sallam, on ne dit plus d'elle que c'est une esclave. On dit, yani, c'est la mère de son enfant. Et on ne dit pas que c'est son épouse. 11% se sont trompés. Maria n'est pas une épouse du prophète, alayhi wa sallam, mais la mère de son enfant. On ne peut pas dire son épouse parce que, en islam, c'est interdit d'épouser une esclave, et on a dit pourquoi. On a dit pourquoi la fois passée. Et j'ai oublié de dire la fois passée quand j'ai parlé d'elle, radiallahu ta'ala, qu'à la fin, elle a embrassé l'islam, qu'elle a été enterrée au cimetière de Baqi'a. Elle est morte au temps de Omar Mukhtab, radiallahu ta'ala. D'ailleurs, ça va venir sur... je ne savais pas qu'il y a un cours qui va venir. Je crois que c'est le prochain cours sur les enfants du prophète, alayhi wa sallam. Moi, je l'ai devancé sur l'arabie. Moi, j'ai fait le cours avant. Qadar Allah, ma chafa'at. Dire qu'on a fait la traduction, je me suis dit ça, subhanallah. Eh, wallah, qadar Allah, ma chafa'at. Quand khabartouni, qu'touli, ou j'ai le cours, qu'on te m'en dit. Qadar Allah, ma chafa'at. Combien de garçons avait le prophète, alayhi sallam? 3, 5 ou 4? Il avait 3. Alhamdoulilah, 88% ont répondu juste. Il y avait 3. Ceux qui ont dit 5 croient peut-être que Abdullah, qui s'appelle aussi Tayyib et Tahir, croit que ce sont deux autres. Je pense que c'est ainsi. Allah Ta'ala alam. Naam. Abdullah Asi avait aussi deux autres surnoms. Kochli, Tayyib, juste 43%, et Tahir, c'est juste 42%. Ce n'est pas le Hakim, ce n'est pas Karim. Naam, très bien. En islam, un homme libre a-t-il droit d'épouser une esclave? Naam, non. C'est non. Naam. Naam, s'il n'a pas les moyens de... Ah, voilà, naam, voilà la vraie réponse. Naam, s'il n'a pas les moyens d'épouser une femme libre. Voilà la vraie réponse. Ce n'est ni naam, ni non. Mais naam, s'il n'a pas... 64% ont répondu juste. Allah Iber. Le calife, Asbel Blu Afed, a dit, on a épousé deux filles du prophète Aslam. Qui sont-elles? 76% Ruqiyya. Et
Les autres, qu'est-ce qu'ils sont dit? Zaynab, 44%, Fatima, 16%, Onkeltoum, 59%. C'est juste parce que il a épousé Ruqiya et Onkeltoum. Et Hadik Ruqiya, 76%, et la deuxième, c'est Onkeltoum, 59%. Donc c'est vrai. Donc la réponse est juste. Et les deux, subhanallah al-Azim, devaient se marier chacune avec un des fils du grand Taria Abu Lahab al-Naïm. Et Allah Azza wa Jal a voulu qu'il ne se marie pas avec eux, mais qu'il se marie avec Uthman ibn Affan, le calife bien guidé, radiyallahu ta'ala anhu. Que s'est-il produit le jour de la mort d'Ibrahim? Une grande averse, 36%. Une éclipse, 41%. Tremblement de terre, 12%. Un grand feu, 11%. Une éclipse, c'est ça la vraie réponse, 41%. Et là-bas, le prophète al-Islam a dit que yani, jamais le soleil ou la lune ne s'éclipse pour la mort ou la vie de quelqu'un. Il a dit ça, c'est un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ont été présents ont sûrement entendu cela, ont bien répondu. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour yani, la réponse, c'était bien bi'idnillah ta'ala. Yani, la plupart, inshallah ta'ala, ont répondu juste. C'est barakallahu. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala yani, vous aide à demander la science sur Allah ta'ala et nous aide aussi yani, à propager ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pris. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc on termine avec Bismillahirrahmanirrahim. Pas avec celle-là, on termine avec la dernière et l'avant-dernière, inshallah ta'ala. Donc celle-là. Naam. Donc la date du prochain cours, c'est sur l'aqidah, inshallah ta'ala. C'est sur l'aqidah de Burgess, rahimahullah ta'ala. Ça vous sera yani, divulgué sur Twitter ou bien sur la... Et j'oublie pas de dire une chose, j'oublie pas que l'adresse que je vous ai donnée pour les remarques, ce n'est pas inshallah ta'ala pour poser des questions. Car ça, ce n'est pas pour moi cette adresse. C'est pas moi qui dis. C'est pour les admins. Ce sont eux, vous leur envoyez des remarques ou la correction de certaines fautes ou bien, et eux, ils m'avertissent bi'idnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum jami'an. Vous les admins et ceux qui sont présents. Jazakumullah khairan. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.